En fait, le contexte d'abord, on a commencé, comme chaque année, à organiser une journée des gros pulls pour sensibiliser le personnel aux économies d'énergie, ce genre de choses, de CO2. Et cette année-ci, on a, en plus de diminuer la température de 2 degrés dans le bâtiment, là, on a voulu le faire tous les vendredis toute l'année. Donc c'était déjà une première démarche, mais à côté de ces éléments environnementaux et économiques, je dirais, du développement durable, on a voulu ajouter une dimension plus de solidarité sociale à notre projet. Et sous le slogan « Un peu de chaleur pour ceux qui n'en ont pas », on a, sous l'impulsion de la commission environnement du CPPT de l'Exerbank, décidé de récolter des pulls et des couvertures pour les sans-abri les plus démunis. Et ce travail d'équipe, notre commission environnement, et la générosité du personnel de Dexabank a permis de récolter 2152 pulls et 465 couvertures au bénéfice de SAMU Social et de Oxfam Solidarité. Et donc un don du personnel de 40 000 euros viendra encore en juin compléter ce qui était de donner en nature. Et une suite est en préparation, en fait, pour le mois d'octobre. Et nous espérons, à l'occasion de la journée mondiale du refus de la pauvreté, de la misère, d'organiser de nouveau une suite à cette organisation.